Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Max Horkheimer et Théodore Adorno, La dialectique de la raison, fragment philosophique. Déclin croissant durant l'ère moderne de la conscience théorique. Évolution vers l'immédiatement utilisable et techniquement exploitable. Les principes de vérité, de liberté, de justice, d'humanité ont perdu leur réalité pour devenir de simples mots. L'ambition de réaliser ces principes dans le monde social s'est vidée de sa substance. Celui qui ne sait pas ce qu'est la liberté n'est pas en mesure de lutter pour elle. Autodestruction de la raison qui ne peut que se poursuivre à l'avenir. L'élan vital de cette dialectique écrite par deux auteurs est la tension de deux tempéraments intellectuels. Le cœur de la vérité est lié au cours du temps au lieu de l'opposer, telle une constante immuable au mouvement de l'histoire. L'évolution de notre monde tend vers une bureaucratisation excessive. Gretel Adorno apporta une aide précieuse à la rédaction de l'ouvrage. Notre tâche était disproportionnée à nos forces, tentative de comprendre pourquoi l'humanité, au lieu de s'engager dans des conditions vraiment humaines, sombrait dans une nouvelle forme de barbarie. Dans l'activité scientifique moderne, la rançon des grandes inventions était une décadence croissante de la formation théorique. Dans la société, la liberté est inséparable du penser éclairé. Si la raison n'entreprend pas un travail de réflexion sur ce moment de régression, elle scellera son propre destin. Si la pensée victorieuse sort volontairement de son élément critique, elle devient un instrument au service d'un ordre existant en transformant l'élément positif qu'elle a choisi en quelque chose de négatif et de destructeur. Affinité autodestructrice avec la paranoïa raciste, la raison elle-même paralysée par la crainte que lui inspire la vérité. L'Aufklärung, philosophie des Lumières, exprime le mouvement réel de la société bourgeoise dans sa totalité. L'accroissement de la productivité économique qui crée les conditions d'un monde meilleur procure aux groupes sociaux qui possèdent l'appareil technique une supériorité immense sur le reste de la population. L'individu est réduit à zéro par rapport aux puissances économiques. Domination de la société sur la nature à un niveau jamais connu. L'individu disparaît, pris en charge par l'appareil. Élévation du niveau de vie matériel des classes sociales inférieures, mais insignifiantes sur le plan social, appelée hypocritement la diffusion de l'esprit. Son véritable intérêt serait la négation de la réification. Mais l'esprit ne peut survivre lorsqu'il est défini comme un bien culturel et distribué à des fins de consommation. La marée de l'information abêtit les hommes. La raison doit prendre conscience d'elle-même si les hommes ne doivent pas être trahis totalement. Ce qui est en cause, ce n'est pas la conservation du passé, mais la réalisation des espoirs du passé. Les biens matériels deviennent des éléments du malheur, intrication de la rationalité et de la réalité sociale. La raison se retourne en mythologie. La raison dans l'Odyssée, concept de sacrifice et de renoncement. Le programme de l'Aufklärung avait pour but de libérer le monde de la magie. Apporter à l'imagination l'appui du savoir. Bacon est le père de la philosophie expérimentale. Il méprise ceux qui croient que d'autres savent et qu'ils ne savent pas et croient savoir ce qu'ils ignorent. La supériorité de l'homme réside dans le savoir. Bacon a saisi les tendances qui allaient être celles de la science après lui. La technique est l'essence même de ce savoir. De nos jours triomphe le sens des réalités. Pouvoir et connaissance sont synonymes. L'important est le fonctionnement, la méthode efficace. Il ne doit pas exister de secret. La synthèse signifie le salut. Prétention des universaux à exprimer la vérité.
tout ce qui ne se conforme pas aux critères du calcul et de l'utilité est suspect à la raison. La raison est totalitaire. La réponse d'Oedipe à l'énigme du Sphinx, c'est l'homme, est une réponse aveugle. La raison ne reconnaît que ce qui ne peut être réduit qu'à une unité. Son idéal, c'est le système dont tout peut être déduit. Hostile à la discontinuité, Leibniz est hostile à ce qui ne peut être unifié. De Maistre se moque de Bacon en disant qu'il entretient une idole d'échelle. La logique formelle fut la grande école de l'unification. La société bourgeoise est dominée par l'équivalence, rendant comparable ce qui est hétérogène et en le réduisant à des quantités abstraites. De Parménide à Russell, la devise reste « unité ». Le mythe devient raison et la nature pure objectivité. Les hommes paient l'accroissement de leur pouvoir en devenant étrangers à ce sur quoi ils l'exercent. La raison devient dictateur des hommes. Le principe de l'immanence est le principe même du mythe. Les hommes libérés devinrent eux-mêmes ce troupeau dont Hegel dit qu'il est le produit de la raison. L'homme croit être libéré de la peur quand il n'y a plus rien d'inconnu. L'art doit prouver son utilité. Nous ignorons tout de la multitude de disciples d'Homère. Comme les Juifs, Platon condamne l'imitation. Selon Schelling, l'art commence là où le savoir fait défaut aux hommes. Torquemada, Luther, Mahomet prétendent réconcilier l'esprit et la réalité. La négation, elle n'est pas abstraite. La raison éprouve une terreur mythique à l'égard du mythe. En sacrifiant le penser, qui sous sa forme réifiée en tant que mathématique, machine, organisation, se venge de l'homme qui l'oublie. La raison a renoncé à s'accomplir. La ruse est le moyen dont dispose le soi aventureux pour se perdre afin de mieux se préserver. À cause de son irrationalité, le principe du sacrifice apparaît éphémère. Le rachat du soi par la rationalité est autoconservation. Dans l'histoire des classes, l'hostilité du soi pour le sacrifice implique un sacrifice du moi. La dignité de héros, Ulysse, n'est acquise qu'au prix de l'humiliation subie par toutes les aspirations à un bonheur total, universel, sans partage. Le soi représente l'universalité rationnelle opposée à la fatalité du destin. Ulysse, par Homère, qualifie le cyclope de monstre dont la pensée ne connaît pas de loi. Circé incite les compagnons d'Ulysse à s'abandonner à leur instinct. Le pouvoir de Circé soumet les hommes au point de faire d'eux ses esclaves. Le rire est lié à la culpabilité de la subjectivité, indiquant le stade d'une servitude dépassée. La conservation de soi est le principe constitutif de la science. L'État totalitaire manipule les nations. Le prince montre la voie suivie de tout temps par l'impérialisme, qui est la forme la plus terrifiante de la raison. La pitié est le péché par excellence. Quiconque cède à la pitié pervertit la loi universelle. Le plaisir s'allie à la cruauté. L'industrie culturelle apparaît comme objectif même du libéralisme. Le maître ne dit plus « vous penserez comme moi ou vous mourrez ». Il dit « vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi ». L'industrie culturelle reste l'industrie du divertissement. Dans le capitalisme avancé, l'amusement est le prolongement du travail. L'industrie culturelle ne cesse de frustrer ses consommateurs de cela même qu'elle leur a promis. L'amusement libéré de toute contrainte ne serait pas seulement l'antithèse de l'art, mais son rôle ultime. Les besoins du consommateur sont suscités, orientés, disciplinés, allant jusqu'à abolir l'amusement. L'individu devient une illusion à cause de la standardisation des moyens de production. La culture est une marchandise. La publicité devient l'art par excellence. Goebbels l'avait identifié. L'art pour l'art, la publicité pour elle-même, pure représentation du pouvoir social. Les Juifs sont aujourd'hui le groupe qui attire sur lui la volonté de destruction qui génère spontanément un faux ordre social.
Ils sont stigmatisés comme mal absolu par ceux qui sont le mal absolu, étant ainsi le peuple élu. L'antisémitisme, comme mouvement national, a toujours été le nivellement. Tel était le sens de la Déclaration des droits de l'homme. Elle promettait le bonheur même à ceux qui n'avaient pas le pouvoir. Mythe de la conspiration organisée par des banquiers juifs concupiscents finançant le bolchevisme, signe d'une impuissance comme la Dolce Vita, signe du bonheur. L'antisémitisme bourgeois a un fondement spécifiquement économique travestissant la domination en production. L'antisémitisme est tout ce que les chrétiens allemands ont conservé de la religion de l'amour. Pensée universelle dans son rapport à un être suprême et transcendant. L'Église vit du fait que les hommes voient le chemin de la rédemption dans l'observation de sa doctrine sans garantir l'objectif ultime. La petite vieille qui offre un cierge pour protéger son petit-fils parti à la guerre est plus près de la vérité que les grands prêtres. Les disciples de la religion du Père sont haïs par ceux qui pratiquent la religion du Fils, car ils en savent plus. La civilisation, c'est la victoire de la société sur la nature. Les Juifs y ont pris part à travers les millénaires, autant avec raison qu'avec cynisme. Les antisémites se font les exécuteurs de l'Ancien Testament. Les Juifs représentants du patriarcat le plus ancien, incarnation du monothéisme, ont réussi ce que le christianisme s'efforce en vain de réaliser, neutraliser la magie au moyen de sa propre énergie. La vérité implique une certaine part d'imagination. Le malade se nourrit de l'élément imaginaire inhérent à la vérité. La culture s'est répandue grâce à la propriété bourgeoise. Dans le fascisme, la conscience morale est liquidée. Le sentiment de la responsabilité de l'individu envers lui-même et envers les siens est remplacé par sa contribution à l'appareil. L'individu n'a plus à décider ce qu'il doit faire dans une douloureuse dialectique intérieure de la conscience morale. Les décisions sont prises par la hiérarchie. La haine féroce pour tout ce qui est différent est téléologiquement inhérente à cette mentalité. La raison en pleine possession d'elle-même est devenue violence, brise les limites de la raison. Hitler était hostile à l'esprit et anti-humain. Avoir la stupidité d'être malin. Les stoïciens furent les premiers à élaborer une discipline philosophique et Antisthène, fondateur de l'école philosophique des cyniques, a même tracé les grandes lignes d'une théorie politique. Invoquer le soleil est de l'idolâtrie. La bonté ne peut se manifester que dans la dureté de la pensée à l'égard du pouvoir. La classification est une condition de la connaissance et la connaissance détruit à son tour toute classification. L'essence du monde coïncide avec la loi statistique à l'aide de laquelle on classe sa surface. Les chiffres électoraux d'Hitler, regroupant les régions, 1/16 des votes préfigurent déjà le résultat final. Il règne déjà un état d'esprit uniforme. Les communications établissent l'uniformité parmi les hommes en les isolant. Le progrès sépare littéralement les hommes. Les employés sont isolés dans la collectivité. De tout temps, l'humanité s'est sentie chez elle, en France, plutôt que n'importe où ailleurs. Les prisonniers sont des malades. L'acte des délinquants courants est la preuve d'un esprit borné, individuel et immédiatement destructeur. La prison est comme une maladie incurable. Comme les malades, ils ne peuvent parler que de leur maladie. Tendance à se perdre dans l'environnement au lieu d'y jouer un rôle actif. Propension à se laisser aller, à régresser à l'état naturel. Avec le chloroforme, le prix du progrès de Pierre Florenz, le patient est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé une fois l'opération terminée. Transformer les patients en cobayes pour faire progresser la science. La perte du souvenir comme condition transcendantale de la science. Toute réification est un oubli. Le fascisme permet de faire la synthèse entre le désir avide de domination et la haine de soi. L'amour-haine envers le corps imprègne toute la civilisation moderne. Freud eut l'intuition que le dégoût du corps naquit avec la position verticale.
l'éloignant de l'odorat de la femelle en chaleur. Le corps est tabou. Dans l'humiliation du prisonnier s'exprime la révolte non sublimée et refoulée de la nature tabou. Le meurtrier réduit tout à zéro, la victime représentant pour lui la vie qui doit être brisée. La philosophie croit en la division du travail, prétendument utile aux hommes et au progrès conduisant à la liberté. L'homme doit sortir dans le monde hostile, c'est à lui d'agir et de lutter. La mégère envahit la société d'aujourd'hui. Par sa médisance, elle prend dans sa propre maison sa revanche sur les misères que son sexe eut à subir depuis des temps immémoriaux. La soif sanguinaire de la femme dépasse celle de l'homme. La mégère exhibe la grimace de la nature mutilée. Véritable hyène sociale, elle poursuit des objectifs d'honneur et de célébrité. La femme solitaire se réfugie dans la magie. Société qui pose prudemment des limites à la surabondance qui la menace. Ce qui est suspect, ce n'est pas que l'on représente la réalité comme un enfer, mais qu'on exhorte systématiquement à la fuir. La bêtise est une cicatrice. Lorsque l'animal prend la direction d'où il a été chassé, il devient craintif et bête. La violence subie transforme la bonne volonté en mauvaise volonté. Les niveaux mentaux du genre humain désignent des moments où l'espoir fut stoppé, témoignage pétrifié de la contrainte pesant sur tout ce qui vit. Les stoïciens considèrent l'âme comme un souffle. Ce qui se sent est un corps. Pour les stoïciens, l'organe n'est qu'un intermédiaire par lequel a lieu la sensation. L'intelligence est étudiée par Aristote, qui démontre comment la pensée se distingue de la sensation par l'absence de conditions corporelles. Max Horkheimer et Théodore Adorno, La dialectique de la raison, fragment philosophique. Merci.